tout d'abord vous féliciter chaleureusement au nom du peuple congolais. Le pays était à l'arrêt jeudi dernier et même nous qui étions dans nos activités, on a eu une oreille attentive sur ce qui se passait à Dar es Salaam. Et grande fut ma joie lorsque, au sortir d'une réunion, le protocole m'annonça votre victoire, 3-0, vous vous imaginez, à l'extérieur. Et j'ai regardé ce match jeudi soir, je l'ai encore regardé vendredi soir, hier donc. Et j'ai vu vraiment que vous êtes une grande équipe. Vous avez joué comme si vous étiez à domicile. J'étais impressionné par cette maturité, cette maîtrise que vous aviez. Franchement, je veux que ça continue. Vous devez continuer avec cet état d'esprit. Vous étiez solidaires, tous unis, comme un seul homme, et ça, ça doit continuer. C'est ça votre point fort. Vous ne devez absolument pas le laisser tomber. Je sais que maintenant, la pression va s'accentuer sur vous, je le sais. Mais ne cédez pas à la pression, restez concentrés, comme vous avez fait en Tanzanie. Vous jouez complètement libéré sur vos propres valeurs, sur ce que vous avez fait, vous en avez de la valeur. Donc, jouez sereinement. Tout le peuple est derrière vous, il sera derrière vous. Vous êtes des héros. Mais pour nous, Congolais, ce sera la deuxième fois que nous réussirons à nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et imaginez-vous qu'il y a au moins deux générations qui n'ont pas vécu la qualification de notre pays à la Coupe du Monde. De véritables héros. Et moi, je vous promets de vous décorer pour l'honneur au nom de la République. Ramenez-nous cette qualification parce que vous pouvez. Ayez confiance en vous. Vous êtes les meilleurs. Vous voyez que quand vous vous appliquez, vous restez concentré. C'est juste la concentration. Vous avez juste besoin d'être concentré. De ne pas vous perturber, de ne pas vous disperser pendant un match, pendant 90 minutes. Et quand vous savez comme ça le faire, comme vous avez fait en Tanzanie, vous êtes les meilleurs, vous êtes imbattables. Que personne ne vienne vous dire le contraire. Ramenez-nous la victoire demain, qualifiez-vous pour le dernier tour et ramenez-nous la qualification. Moi, je suis convaincu que c'est possible, c'est à votre portée et le Congo tout entier vous sera à vie reconnaissant. Merci, les Léopards. Que Dieu vous accompagne et Dieu sera avec vous. Je serai avec vous au stade, ensemble avec le peuple, nous vous soutiendrons. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.